Merci beaucoup, monsieur le directeur général de l'IAM. Nos félicitations, nos encouragements et nos salutations à M. Amadou Lamine Diagne, le DG de l'ANPEJ, l'Agence nationale de l'emploi des jeunes au Sénégal. Nous sommes très honorés ce matin parce que nous avons participé pour avoir représenté M. Girassi, le DG de l'IAM, au lancement des activités de l'ANPEJ devant le chef d'État. Nous avons été ravis d'entendre une promotion d'emploi. Il a prononcé trois fois. Michel Girassi l'avait déjà considéré dans sa stratégie, dans la vision de l'IAM, pour l'employabilité des étudiants, il faut une promotion d'emploi. L'auto-emploi est plus important que l'insertion à la recherche d'emploi. C'est ce que M. Girassi nous amène aujourd'hui à l'IAM. Nous avons bien compris les objectifs de l'ANPEJ. Mais nous voulons aussi l'accompagner, M. Girassi me l'a dit, l'accompagner avec l'ensemble de l'école, les professeurs, la communauté, les parents, à la réussite de nos missions. C'est des missions qui sont des missions fortes, des missions de développement, des missions d'accompagnement de l'État, des missions d'accompagnement des communautés, nous sommes avec vous. Et c'est ça qui nous arrive ce matin. Voilà donc tout ce qu'on avait à dire. Je vous remercie et je vous l'apprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diagne. Je dois d'abord commencer par relever que si la symbolique de cet événement devrait être retenue, je pense qu'il pourrait être placé sous le sceau de la fierté. La fierté pour un homme, la fierté pour un compatriote qui a osé et qui aujourd'hui a le mérite de mettre en place une structure qui fait une fierté, qui va au-delà de nos frontières. Monsieur Girassi, vous êtes mon modèle de référence pour nous qui voulons aller loin. Vous êtes un modèle de référence pour tout jeune qui veut aller au sommet. Et pour cela, je me dois très sincèrement exprimer toute ma fierté à être à vos côtés aujourd'hui dans le cadre de cette cérémonie. Ô combien solennel et significatif. Et qui dit éducation, formation parle naturellement d'insertion. Et c'est tout le rapport qu'il faut mettre en avant par rapport à ces partenariats institutionnels que nous voulons nuire aujourd'hui entre l'Institut africain de management et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Une agence très jeune qui a été créée le 9 janvier passé par M. le Président. Et pourquoi l'ANPEJ? Avant, il y a beaucoup de structures qui évoluaient dans la gouvernance de l'emploi des jeunes. Nous avions l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, ANES. Nous avions l'Agence pour l'emploi des jeunes des banlieues, AGEP. Nous avions le Fonds national de promotion de la jeunesse, FNCJ. Nous avions l'Agence nationale d'appui au marché ambulant et tant d'autres agences qui sont venues à évoluer dans la gouvernance de l'emploi des jeunes. Mais ce qui posait de réels problèmes, l'efficacité dans les interventions et même dans la formulation des projets et programmes pour la prise en charge de ces problèmes. C'est fort de tous ces constats que M. le Président de la République a décidé de rationaliser la gouvernance de l'emploi des jeunes pour créer une seule et une seule structure qui désormais est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion de l'emploi des jeunes. À titre d'introduction, c'est moi ce que je veux dire. Vous remercier un peu ça. Je voudrais vous redire merci. Merci pour cette belle opportunité que vous offrez à la communauté de l'IAM. Merci pour cette générosité, merci pour cette ouverture. Et je disais aux étudiants, sans savoir d'ailleurs que la générosité à la voix de cette portée-là, que vous étiez chanceux. Mais je considère vraiment, monsieur le directeur général, que vous venez de poser un acte fondateur, qui pèse bien les mots pour l'IAM. Parce que la difficulté, c'est souvent la connexion avec le milieu des affaires, le monde des entreprises. La difficulté souvent qui est éprouvée lorsqu'il s'agit de créer une entreprise.
il reste un cadre, il est vraiment c'est un cadre. Je vous félicite aussi pour la pertinence de l'utiliser le mot, l'acuité par rapport à la situation, mais je dirais aussi l'acuité dans vos visions. C'est une précision, une finesse extrêmement tendue. Je voudrais sérieusement vous féliciter. Je suis un acteur du secteur privé, c'est vrai. Dans la formation, ça vous vient pour 15 ans, bientôt, pour 20 ans. Et bon, FNPJ, toutes ces agences, on connaît. Toutes ces initiatives, tous ces discours sur l'emploi, on connaît. Mais ce que je viens d'entendre là, je pense quand même que vous avez su trouver une niche et une façon assez spéciale de régler ce problème. Et je pense sincèrement que vous venez là de décliner la solution. Je suis convaincu que vous y arriverez.